Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui, on fait un autre épisode de Board Game 101. On va apprendre à jouer au jeu Small World. C'est un jeu qui a été designé par Philippe Caillère. Je m'excuse si je prononce mal son nom. Et qui a été publié par la compagnie Days of Wonder. Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs et dure environ de 40 à 80 minutes. Le but du jeu est d'amasser le plus de points de victoire durant la partie. Pour ce faire, on doit contrôler les différents territoires qu'on retrouve sur le plateau pour faire des points à la fin de chacun de nos tours. Pour le jeu, on a différents plateaux. On a ici le plateau pour deux joueurs. Donc en haut à droite, complètement, vous voyez ici un petit 2 pour indiquer que ce plateau-là est le plateau pour deux joueurs. Au verso de ce plateau-là, on a le plateau pour trois joueurs. Et on a un deuxième plateau qui est à peu près deux fois cette grosseur-là, qui est pour les parties à quatre joueurs et les parties à cinq joueurs au verso. On prend donc le plateau qui correspond au nombre de joueurs qu'on a pour la partie. Pour ma part, je vais simuler une partie à deux joueurs. On va avoir un joueur ici. Chacun des joueurs va recevoir 5 points de victoire au début de la partie. Les deux joueurs sont ici. Pour les composantes sur le plateau de jeu, on a quelques icônes qu'il faut se familiariser avec. On a probablement les types de terrains. Sur le plateau, on a différents territoires. On a des marais, on a des fermes, on a des collines, des forêts et des montagnes. Des fois, dépendant de votre peuple, les différents terrains peuvent vous donner des bonus pour votre attaque ou des bonus de points à la fin de votre tour si vous les contrôlez. On a aussi des icônes comme ça. Sur chaque territoire que cette icône-là, on va placer un jeton de tribus perdues. Ce sont des tribus qui sont nulles, qu'on va devoir affronter pour prendre ces différents territoires-là au début de la partie. Et on a trois sortes d'icônes sur le plateau. On a ici des icônes qui montrent des cavernes, des icônes pour des ondes magiques et des icônes pour des mines, qui sont aussi des icônes selon votre peuple, qui peuvent vous donner des bonus de points pendant votre tour. À côté du plateau, on a ce qu'on appelle les bannières de peuple, qui représentent euh, différents peuples. Ça peut être les humains, les nains, les orques, les squelettes, ainsi de suite. Et on a à côté les bannières de pouvoir, qui vont donner un deuxième pouvoir à votre peuple quand vous allez le choisir. Les peuples et les pouvoirs sont brassés au hasard et on les place de cette façon. ci pour faire une colonne, on met cinq peuples en haut de la colonne. On a donc le choix de six peuples au début de la partie. On a ensuite le dé de renforcement qu'on va utiliser lors de nos conquêtes et on a aussi quelques jetons spéciaux qu'on pourrait utiliser durant la partie si on a les peuples qui correspondent à ces jetons-là. On a les cavernes des trolls, les Tanière de halfling, le dragon, du maître du dragon, les camps, les forteresses et les jetons héroïques qui sont associés à différentes bannières de peuple ou de pouvoir. Maintenant, pour commencer la partie, le premier joueur sera celui qui a les oreilles les plus pointues. Alors, si vous jouez contre un elfe, il va toujours commencer à jouer le premier. Le premier joueur doit se choisir un peuple parmi les combinaisons obtenues lors du placement initial avec les différentes bannières de peuple et de pouvoir. Avant de choisir le peuple, on a beaucoup de choix de peuple et de bannières dans ce jeu-là. Chaque joueur a un aide-mémoire. Comme ça, avec les différents peuples qui sont dans le jeu, on a. 20 pouvoirs, 20 bannières de pouvoir qui sont ici et on a 14 peuples, ce qui donne beaucoup de combinaisons différentes possibles pour ce jeu-là. On va regarder les combinaisons qu'on a obtenues dans ce placement-là. Sur chacune des bannières, on va retrouver un chiffre. Sur la bannière du peuple, on a un chiffre à droite. Et sur la bannière du pouvoir, on a un chiffre à gauche. On va additionner ces deux chiffres-là ensemble et ça va nous donner le nombre de jetons que le joueur va prendre quand il va choisir ce peuple-là. On peut les préparer d'avance avec les combinaisons qu'on a eues. Ça va accélérer le processus pendant le jeu lorsqu'un joueur va choisir un peuple. Pour les combinaisons qu'on a obtenues, on a d'abord le peuple et des humains. Leur pouvoir, c'est qu'ils reçoivent des points de victoire supplémentaires quand ils contrôlent des territoires de ferme. et le pouvoir des forêts leur donne des points de victoire supplémentaires quand ils contrôlent des territoires de forêt. La combinaison ici, on a les Nains comme peuple. Les Nains donnent des points bonus quand ils contrôlent des territoires avec des icônes de mines, et ce pouvoir est même actif pendant le déclin, ce qui est très rare dans ce jeu-là. On va revenir un petit peu plus tard, c'est quoi un peuple en déclin. Leur pouvoir volant, c'est qu'ils peuvent attaquer n'importe quel territoire. On n'est pas obligé d'être adjacent au territoire qu'ils contrôlent. On a ensuite les hommes rats. Leur pouvoir, c'est tout simplement qu'ils sont nombreux. Ils ont une valeur de 8 seulement pour la bannière de peuple, ce qui est très haut. Et la bannière commando fait que chaque conquête va leur coûter un jeton de moins à faire pendant leur phase de conquête. On a ensuite le peuple des squelettes. Leur pouvoir, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont tuer deux jetons de, de peuple sur les territoires qu'ils prennent, ils vont gagner un nouveau jeton. Et le pouvoir des forteresses, ils vont avoir les jetons spéciaux de forteresse. ils vont pouvoir en placer un par tour sur un de leurs territoires pour leur donner un point de victoire supplémentaire et pour leur servir de défense. Les ghouls, leur pouvoir, c'est qu'ils sont actifs pendant leur déclin, ce qui est le seul peuple qui peut faire ça. Et le pouvoir Berserker, à chaque conquête qu'ils vont faire, ils vont lancer le dé de renforcement avant de placer leur jeton. Dernière combinaison, on a les géants. Les géants ont des bonus pour attaquer les territoires adjacents aux montagnes qu'ils contrôlent déjà. Et le pouvoir des esprits fait que ce peuple-là ne compte pas comme peuple en déclin. Un joueur pourra avoir un deuxième peuple en déclin. Nous sommes au début du premier tour. On a le marqueur de tour de jeu qui est sur le plateau avec ce jeton. Une partie à deux joueurs va durer 10 tours de jeu. Mais plus on a de joueurs, moins il va y avoir de tours de jeu. Ça va être indiqué sur les différents plateaux qu'on va prendre. Le premier joueur doit se choisir un peuple dans les combinaisons qu'on a obtenues. S'il prend la combinaison qui est en haut de la colonne, s'il prend les humains des forêts, ce peuple-là ne lui coûte rien. S'il ne veut pas ce peuple-là, il doit prendre un de ses points de victoire, le placer sur la bannière de peuple et il a accès au peuple suivant. S'il ne veut pas le peuple suivant, il peut placer un point de victoire et prendre le troisième peuple, et ainsi de suite. Il peut alors prendre une combinaison qu'il trouve plus intéressante que les autres s'il paie les coûts en points de victoire. Les points de victoire qui sont placés sur les différentes bannières de peuple vont rester. Sur les bannières, jusqu'à ce qu'un joueur les choisisse, et à ce moment-là, il va gagner les points qui se retrouvaient sur les bannières. On va dire que le premier joueur va décider de prendre le premier peuple des humains, place les deux bannières devant lui, il va prendre ses jetons de peuple avec le bon nombre qu'on avait déjà compté à l'avance, et à ce moment-là, tous les peuples vont monter de 1 dans la colonne. Et on va révéler une nouvelle combinaison qui sera disponible pour le prochain joueur. Une fois qu'il a choisi son peuple, le joueur va prendre ses jetons de son peuple et il va commencer à faire ses conquêtes. Les conquêtes, c'est comme ça qu'on va conquérir les différents territoires qui sont sur le plateau. Comme ce joueur-là a les humains des forêts, il va essayer de contrôler des territoires qui sont des fermes ou des forêts pour bénéficier des bonus, des pouvoirs qu'il a obtenus avec sa race. Pour commencer ses conquêtes, le premier joueur doit commencer ses conquêtes dans un territoire qui est près du bord du plateau. Il ne peut pas commencer ses conquêtes dans le centre. Il doit commencer par n'importe quel territoire qui est au bord. Il ne peut pas commencer dans les territoires où il y a de l'eau. Seulement un pouvoir un spécial qui va déterminer, euh, qui va donner cette possibilité-là. Pour prendre un territoire, c'est simple, on a besoin de se rappeler de la formule 2 plus X. X étant le nombre de jetons présents dans un territoire. Alors, si je veux prendre un territoire qui est vide, j'ai besoin de 2 plus 0. J'ai besoin de deux jetons. Je place deux jetons. J'ai conquis ce territoire-là. Pour deux jetons. On prend le territoire à côté. Les conquêtes suivantes doivent automatiquement se faire sur des territoires qui sont adjacents où on a déjà des jetons. Pour prendre le territoire qui est ici, comme il y a déjà un jeton, 2 plus 1, ça me prend 3 jetons pour pouvoir prendre ce territoire-là. Et on enlève le peuple perdu. Il me reste 2 jetons si je veux prendre le territoire qui est ici. Malheureusement, ça me prendrait 3 jetons. Comme c'est ma dernière conquête possible avec mes derniers jetons, j'ai le droit de lancer le dé de renforcement. J'ai obtenu 0 sur le dé, alors ce n'est pas suffisant pour me donner accès au territoire. À ce moment-là, mes conquêtes sont terminées. Le dé seulement possible sur la dernière conquête et il doit nous rester des jetons pour pouvoir bénéficier du dé de renforcement. Quand les conquêtes sont terminées, le joueur peut faire ce qu'on appelle le redéploiement. Il peut prendre les jetons, ces jetons qui lui restent, puis en laisser un sur chacun de ses territoires pour être sûr de les conserver. Et il peut placer les autres comme il le souhaite. Pour mieux se protéger ses territoires. Et par la suite, il va. Marquer ses points. Il marque un point par territoire qu'il contrôle. Le joueur contrôle trois territoires. Comme il contrôle une ferme, il donne un point supplémentaire. Une forêt lui donne un point supplémentaire. Le joueur marque un total de cinq points. Il prend un jeton de cinq points. Et pour cacher ses points à l'autre joueur, il va le mettre caché avec ses autres points. Il a terminé son tour, c'est maintenant au deuxième joueur. Le deuxième joueur va faire la même chose. On va dire que lui ne veut pas le peuple des nains, il va placer un point dessus et il va prendre le deuxième peuple, la combinaison, les rats avec la bannière commando. Il place sa bannière des rats devant lui, il prend ses jetons et il va ensuite commencer ses. Conquête. Il doit faire la même chose que l'autre joueur doit commencer ses conquêtes à un endroit qui est adjacent. Comme il a le pouvoir commando, toutes les conquêtes vont lui prendre un jeton de moins. Il peut alors prendre un territoire vide pour un jeton. Un autre territoire vide pour un jeton. Un territoire avec un jeton pour deux jetons. Une montagne. Chacune des territoires où il y a une montagne, on a un jeton de montagne. Alors pour prendre ce territoire-là, ça me coûte 2 plus 1, parce qu'il y a un jeton dedans. Ça me coûterait 3. Comme je suis commando, ça me coûte seulement 2. Et la montagne, elle reste là. Alors ce territoire-là est plus dur à prendre, mais il est aussi meilleur pour se défendre. S'il veut prendre un territoire qui est occupé par un autre joueur, il doit encore respecter la même règle. Le joueur a 3 jetons. Ça me prendrait donc 2 plus 3. Ça me prendrait un total de 5 jetons pour prendre ce territoire-là. Comme le joueur est commando, ça lui en prend seulement 4. Avec 4 jetons, il peut prendre le territoire ici, contrôlé par l'autre joueur. Qu'est-ce qui arrive avec les jetons du premier joueur Il va perdre un de ses jetons. Donc, un des jetons va mourir. On va l'enlever de la partie. Et les deux autres, il va pouvoir les redéployer dans les territoires qu'il contrôle à la fin du tour de l'attaquant. L'attaquant va continuer ses conquêtes et il va finir ici. Il peut faire son redéploiement. Il peut décider de redéployer ses trous. Et il va marquer ses points. Le nombre de territoires qu'il contrôle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Il prend ses jetons et son tour est terminé. On a terminé le tour 1. On va tout simplement avancer le marqueur de tour au tour 2. Au tour 2, le joueur aura un choix à faire. Il peut continuer à faire des conquêtes. À ce moment-là, il ramasserait ses jetons, laisserait un jeton par territoire et continuera à faire des conquêtes avec les jetons qui lui restent. Ou s'il veut, deuxième option, il peut mettre son peuple en déclin. Généralement, on va mettre un peuple en déclin quand on a éparpillé ce peuple-là le plus possible sur les territoires, qu'on possède le plus de territoires possible avec ce peuple-là. Qu'est-ce qui se passe quand on met un peuple en déclin? Tout d'abord, on va. Tourner la bannière de peuple et la bannière de pouvoir de l'autre côté. On remarque que les pouvoirs, la, la majorité des titans vont disparaître, alors les pouvoirs ne sont plus actifs. Pour, il n'aura plus ses bonus dans les forêts et dans les fermes. Sur le plateau, il va laisser un jeton sur chacun des territoires qu'il possède et il va même les tourner de l'autre côté pour montrer que ce peuple-là est maintenant en déclin. Lorsqu'il fait cette action, son tour se termine là et il va marquer ses points. Alors là, il marquerait deux points parce qu'il possède deux territoires. Ce n'est pas très payant. C'est sûr que ce n'était pas le moment optimal pour se mettre en déclin. C'est seulement un exemple pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on passerait au deuxième joueur qui pourrait soit continuer à faire des conquêtes ou soit se mettre en déclin lui aussi. Et quand on va commencer le tour 3, le premier joueur va se choisir un nouveau peuple qu'il va placer devant lui, près de son peuple en déclin, il va prendre les jetons de son nouveau peuple et il va aller faire des conquêtes avec son nouveau peuple. À la fin de son tour, il va additionner les territoires qu'il contrôle avec son peuple actif et avec son peuple en déclin. Donc les deux vont marquer des points. C'est ça l'utilité d'un peuple en déclin. Si on a réussi à l'éparpiller beaucoup, il peut quand même générer plusieurs points. Un joueur peut avoir un maximum d'un peuple en déclin. Si jamais il met un deuxième peuple en déclin, le premier va disparaître. On va enlever les jetons qui restent sur le plateau. Dans ce jeu-là, il ne faut pas trop s'attacher à son peuple. On contrôle généralement un peuple, peut-être deux tours, pour vraiment l'éparpiller le plus qu'on peut. Ensuite, c'est sage d'aller le placer en déclin et de prendre un autre peuple et continuer de, de prendre des territoires et de faire des points. C'est sûr que l'autre joueur va venir attaquer nos peuples en déclin. À un moment donné, il ne donnera plus beaucoup de points. On va ensuite faire une rotation dans nos peuples. Ce n'est pas un jeu où c'est bon de garder tout le peuple pendant toute la partie. Il faut vraiment utiliser cette mécanique-là de mettre ses peuples en déclin. On va continuer la succession des tours jusqu'au tour 10. Et à la fin du tour 10, on va additionner nos points. Et le joueur qui a le plus de points va remporter la partie. C'est comme ça qu'on joue à Small World. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Small World On va regarder les composantes pour commencer. On a les plateaux de jeu. Je pense qu'ils sont très bien faits. Le fait qu'on ait deux plateaux, que les deux soient recto-verso, qu'on ait des plateaux qui dépendent du nombre de joueurs, un plateau pour deux joueurs, trois, quatre ou cinq joueurs, je trouve que c'est très bien. On n'a pas. À se casser la tête, à adapter le jeu en fonction du nombre de joueurs. Tout est inscrit sur le plateau. Comment faire ces placements-là pour commencer une partie Le nombre de tours de jeu est tout inscrit sur les plateaux. On ne peut pas se tromper. Donc, c'est un, euh, un gros plus d'avoir fait les plateaux comme ça. Pour tout ce qui est euh, les autres jetons, les bannières de peuple, les bannières de pouvoir, les jetons de peuple, les points de victoire, les jetons spéciaux, tout est fait en carton. Carton quand même d'une bonne qualité. Un gros plus encore une fois. Ça ne pas rapidement. Pour la boîte de jeu, les, les jeux de Days of Wonder généralement ont des séparateurs pour bien ranger les différentes composantes dans la boîte. C'est encore le cas pour Small World. Par contre, une fois que vous avez rangé votre jeu, si vous le tournez à l'envers, tout va se mélanger. Alors essayez de le laisser plat pour pas mélanger les différents jetons. Au niveau artistique, comme tous les jeux de Days of Wonder, les dessins sont très beaux, très jolis, très colorés. Donc ça vient attraper, attraper l'œil comme ça. Encore ici, encore une fois, le plateau très coloré, les dessins des peuples sont très beaux à ce niveau-là. Pour la complexité, c'est un jeu qui est très simple. C'est pas un jeu compliqué, surtout pour un jeu de contrôle de territoire. On fait juste placer nos jetons sur le territoire qu'on veut prendre. On en place le nombre suffisant et on le prend. Il n'y a pas de règle de combat avec des dés. On n'a pas de règles de combat avec des, dés, de de combat avec des euh, cartes non plus. C'est vraiment simple comme jeu. D'être simple, c'est un peu sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Si vous êtes quelqu'un qui commence à faire des board games ou qui veut initier quelqu'un, c'est un jeu qui peut être très bon dans sa simplicité. Si vous êtes un gamer un peu plus expérimenté, que vous aimez les jeux avec beaucoup de stratégie, les jeux, les jeux qui ont des bons systèmes de combat pour prendre des territoires, vous allez être déçu de ce jeu-là. Alors, c'est un plus ou un moins dépendant quelle sorte de gamer vous êtes. Au niveau de la rejouabilité. Comme il y a beaucoup de combinaisons de peuples et de pouvoirs, la rejouabilité est très bonne parce que les combinaisons sont faites au hasard. Alors d'une partie à une autre, on va avoir des combinaisons différentes, ce qui est un gros plus encore une fois. Il existe aussi plusieurs extensions qu'on peut acheter qui euh, offrent des nouveaux peuples et des nouveaux pouvoirs, encore une fois, et des nouvelles règles, des nouveaux plateaux qu'on peut varier nos parties d'une à l'autre. Pour le nombre de joueurs, il n'y a pas de façon optimale de jouer à Small World selon moi. Comme les plateaux sont dépendants du nombre de joueurs, le jeu s'adapte très bien que ce soit à 2, à 3, 4 ou à 5. Pas de nombre idéal pour jouer à ce jeu-là. Finalement, mon appréciation générale de ce jeu-là, je vais quand même lui donner la note de B, un bon jeu, un bon jeu qui peut servir à initier les gens au contrôle de territoire ou d'un jeu qui pourrait être joué par des enfants peut-être plus de 10-12 ans qui pourraient être initiés avec ce jeu-là. Très bon pendant ces fonctions-là. Mais si vous voulez un gros jeu de stratégie, ce n'est pas un jeu que je recommanderais pour vous. Et voilà, c'était mon opinion sur le jeu Small World. Je vous dis à la prochaine et continuez de gagner.